devant Moïse, je suis envoyé. Il parle avec Moïse, il dialogue avec Moïse. Devant Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Mais le 28 février, après ces 8, verset 1 s'accomplit. Et devant pour Branham, un silence d'une demi-heure. Quel mystère! Mais devant Moïse, je suis. Devant Paul, je suis Jésus. Devant Branham, un silence. Oh my God! Alors j'ai eu une réflexion là-dessus. Quelle est la réflexion là-dessus? Quand tu as une pensée, que tu parles, les gens peuvent interpréter ta pensée. Quand tu as une volonté, que tu parles, les spécialistes peuvent prendre ce que tu as dit et te décortiquer. Et puis trouver ce que tu penses. Voilà pourquoi, quand quelqu'un parle beaucoup, on n'a pas peur de lui. Parce qu'on sait qu'il va faire beaucoup d'erreurs et puis il va révéler sa pensée. Mais quand un homme ne parle pas beaucoup, il fait peur. My God. Un homme qui est silencieux fait peur. Tu ne sais pas ce qu'il pense, mais te regarde. Il fait peur. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé à Moïse. Le diable a imité. Dans le Nouveau Testament, Dieu a parlé à Paul. Le diable a imité. Mais dans l'Apocalypse 8, le 28 février, silencieux. Alléluia. Jésus était dans le ciel, silencieux. Il regardait la terre. Il fait peur. Le septième jour fait peur. Le diable ne sait pas ce qu'il pense. Le monde ne sait pas ce qu'il pense. Il fait peur. Le septième jour, il est effrayant. Ce soir, il est ici. Il ne dit pas un mot. Mais regarde la terre. Il est le diable. Le diable ne sait pas ce qu'il va faire. Le diable a peur. Le diable a peur. Mais vous, vous jubilez, vous sautez, parce que vous savez que votre nom a été révélé sur le septième sceau. Le septième sceau, le septième sceau a caché la vie de Jésus-Christ. Le diable tremble. Alléluia. Alléluia. Le diable cherche quelque chose à imiter. Au temps de Moïse, il pouvait imiter. Au temps de Jésus et de Paul, il pouvait imiter. Mais à l'ouverture du septième saut, à l'ouverture du septième saut. Frère, écoutez-moi. Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi. Le diable a peur de ce qui t'accompagne. Ce qui t'accompagne là, ne parle pas. Ne dis rien, c'est silencieux. Le diable a peur du septième saut.